Je joue à Roblox depuis un certain temps que je suis tombé sur cet item dans la boutique Roblox. Cet item, je vais te le montrer juste après dans la vidéo, mais vraiment, tu dois surtout jamais l'acheter, et spécialement à 3h du matin. Cet item pourrait carrément hacker ton compte Roblox, puisque oui, les gars, c'est un hacker qui a créé cet item afin de pouvoir hacker les comptes Roblox des utilisateurs. Donc vraiment, ne l'achète surtout jamais, et je t'aurais vraiment prévenu. Mais juste avant, et si tu ne likes pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes, tu vas perdre tous tes Robux sur Roblox quand tu te connecteras. Alors abonne-toi si tu veux avoir plein de Robux. Donc franchement, à ta place, je m'abonnerai, surtout que j'ai sorti des tout nouveaux t-shirts sur ma boutique Roblox. N'hésite pas à aller voir, le lien est en description. Ils sont vraiment incroyables et il y en aura beaucoup d'autres dans le futur. Et donc je vais directement te montrer l'item qu'il ne faut surtout pas acheter dans Roblox. Puisque si on va sur la boutique de Roblox et qu'on va dans Avatar et qu'on cherche l'item qui s'intitule The Rake, comme ceci, et juste ici il y a ce personnage qui s'appelle le râteau, et tu ne dois surtout pas l'acheter. Regardez, il ressemble à ceci, et je vais directement l'acheter du coup pour me l'équiper. Mais toi, tu ne dois surtout pas l'acheter, et je vais te montrer directement pourquoi. Mais juste avant, on va aller dans les personnages et on va aller juste ici cliquer pour se l'équiper. Et une fois sur Brookhaven, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant aller dans l'éditeur d'avatar, et juste ici je vais me réinitialiser. Et regardez, j'ai maintenant le personnage. Et bon, il est vraiment trop horrible. Par contre, il est vraiment beaucoup trop moche et il fait vraiment hyper peur. Dites-moi en commentaire, vous notez combien sur 10. Mais honnêtement, il fait vraiment hyper peur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre moi directement mon personnage. Et attendez, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens d'avoir un message d'erreur comme quoi j'ai été déconnecté. Oula, j'ai quand même très peur là. Est-ce que c'est pas déjà le hacker? Et du coup, ok, c'est bon, je viens de me reconnecter à Brookhaven après le hack, et je viens de trouver un TikTok qui explique le hacker du coup qui va hacker mon compte Brookhaven avec cet objet. Donc il dit il y a un nouveau hacker, et spécialement, enfin surtout partons en particulier sur Brookhaven, donc sur le jeu Brookhaven Roleplay, qui est censé être un jeu amusant, elle dit dans sa vidéo. Donc le jeu Brookhaven Roleplay qu'elle présente comme un jeu très fun, ces derniers mois il y a eu quelque chose d'hyper effrayant, puisque certains joueurs de Roblox, donc sur justement Brookhaven Roleplay, ont commencé à voir trois choses hyper effrayantes apparaître sur ton écran. Donc vraiment, regarde bien ces trois choses, puisque si tu les as sur ton écran sur Brookhaven, tu dois directement déconnecter. Et ces images, elles sont liées directement du coup au hacker. Et donc ce sont ces trois images juste ici. Donc heureusement, moi j'en ai pas encore eu, j'ai juste été déconnecté, mais j'ai pas encore eu les images. Et elle dit quoi? Certains joueurs de Roblox ont aussi apparemment l'ont aperçu, et pendant qu'il apparaît, et regardez juste ici, quand tu cliques sur le message, il y a un message hyper effrayant qui apparaît. Donc maintenant au moins vous savez, tu voyez les images, il ne faut vraiment surtout jamais cliquer, et parce qu'apparemment surtout regardez, il y a quelque chose de vraiment hyper effrayant qui apparaît juste ici là. C'est quoi ce truc hyper effrayant là? Ça fait vraiment beaucoup trop peur. Et bon, ce que je vais faire, c'est que je vais directement retourner sur Roblox. Et bon, là actuellement du coup, il est 3h du matin, et je vais devoir essayer de faire un mythe d'horreur sur Roblox pour voir si le monstre va apparaître ou non. Parce que bon, pour l'instant, j'ai pas l'impression de trop le voir quand même, donc c'est quand même plutôt cool. Mais là, il m'a quand même déconnecté de mon Brookhaven, et ça c'est quand même fort. Et donc le secret, c'est celui-ci. Et donc elle nous dit que, ok, donc on doit prendre la maison juste ici, AEO, et aller à la librairie, et on est censé du coup avec ça pouvoir s'asseoir sur des sièges en l'air. Ok, c'est très bizarre. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller prendre la même maison qu'elle, et donc sa maison. Ok, donc c'est la maison jaune, il faut bien que je vérifie. Ok, c'est la maison jaune avec marqué AEO juste en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller me téléporter, hop là, comme ceci, pour aller prendre une maison juste ici. Une fois que je suis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre jusqu'à voir la fameuse maison jaune qui est juste ici du coup, et je vais directement me l'équiper. Ok, wow, elle apparaît, elle est quand même assez robuste. Ce que le gars fait juste après dans son TikTok, c'est qu'il va du coup, enfin elle va dans son sous-sol, et elle accède à un deuxième sous-sol à partir du sous-sol. Donc c'est quand même assez effrayant, mais bon, je vais aller du coup dans le sous-sol juste ici, et je vais bien verrouiller ma maison pour être sûr que le hacker puisse pas entrer. Donc je vais aller dans le premier sous-sol, et juste ici, normalement, il y a un truc à activer. Et oui, les gars, regardez juste là, je peux bien cliquer pour aller dans un deuxième sous-sol. Bon, ça, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savaient déjà, mais ce deuxième sous-sol, il est quand même hyper effrayant. Et bon, apparemment, le mythe ne s'arrête pas là, puisqu'on peut aller dans une salle qui est complètement hantée. C'est vraiment hyper effrayant. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son ordinateur portable, et elle s'assoit sur toutes les chaises. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis directement équipé moi aussi d'un ordinateur portable, et je vais m'asseoir comme elle sur toutes les chaises jusqu'à ce que l'ordinateur devienne vert. Et ok, est devenu complètement vert. Donc jusque là ça marche totalement. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait elle dans sa vidéo?
Donc elle va aller juste ici à côté de ce truc là blanc tout en haut et elle va aller cliquer dessus et ça va l'amener à une nouvelle pièce avec un ordinateur portable juste ici. Et qu'est-ce qu'elle fait avec l'ordinateur portable? Elle va cliquer dessus comme ceci. Ok, d'accord. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'aille cliquer donc sur un truc blanc juste en haut. Là c'est parfait, il est juste ici, j'ai cliqué. Et bon, je vais quand même m'équiper d'une lampe torche parce que je vois pas grand chose. Et c'est un peu embêtant de pas voir grand chose du coup. Et il faut que je me rende au prochain endroit. Et donc normalement il est juste ici à travers le mur. Et ok, wow, il est juste là. D'accord, ok, c'est vraiment hyper effrayant. En tout cas, ce que je vais devoir faire du coup, c'est que je vais devoir juste ici cliquer sur l'ordinateur portable juste là. Attention, 3, 2 et ok, wow. Je viens de cliquer les gars et je viens d'entendre un bruit vraiment hyper effrayant. Et surtout que ça ne s'arrête pas là parce que à ce qui paraît du coup après, elle doit encore se rendre à un autre endroit puisque regardez dans son TikTok, elle se rend au niveau de la station essence puis dans l'agence. Puisque regardez du coup qu'est-ce qu'elle fait juste après, elle éteint la lumière. Et elle va au niveau de ce moniteur bleu. Enfin, elle appelle ça un moniteur, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un espèce de truc bleu sur le mur, moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement m'équiper d'une voiture pour me rendre au même endroit où elle a été. Donc, juste ici, on va prendre une petite voiture comme ceci. Et je vais aller me rendre au même endroit qu'elle. On augmente juste quand même un peu la vitesse pour aller un tout petit peu plus vite. Et pouvoir y arriver quand même plus rapidement. Parce que par défaut, les voitures sont pas très rapides. Et du coup il me semble c'est juste ici le passage secret. Je vais quand même vérifier sur le TikTok. Elle, où est-ce qu'elle passait du coup, parce qu'elle passe à travers un mur. Donc là elle va à la station service et elle passe. Oui, regardez, c'est vraiment le mur de la station service. Donc c'est bien ce passage secret juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me coller au mur. Et par contre je commence à avoir de plus en plus peur les gars, parce que je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression d'être de plus en plus observé. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que juste ici je vais devoir désactiver la lumière. Ok, wow, complètement noir autour de moi. C'est vraiment hyper effrayant. En tout cas, voilà, il y a plus une seule lumière par contre. Je vais quand même m'équiper de ma lampe torche. Et apparemment, du coup, je devais me rendre juste ici à cette espèce d'écran bleu. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans l'écran bleu une fois à l'écran bleu? Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éteint la lumière. Donc ça, ok, pour l'instant, je l'ai fait. Et au niveau de l'écran bleu, elle clique dessus et va rentrer un mot de passe. Et qu'est-ce que c'est que ce mot de passe? Ce mot de passe, c'est Marcus Brookhaven. Alors, Marcus Brookhaven, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom du fondateur de Brookhaven. Et apparemment, ce serait lui le mot de passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là-dessus et je vais écrire, oula mince, par contre j'avance tout seul, Marcus Brookhaven, comme ceci, et mot de passe approuvé, et ça m'a ouvert les gars cette salle. Qu'est-ce que c'est que cette salle les gars? Je pensais vraiment que le TikTok n'était pas vrai du tout. Et ok, oula, elle est très effrayante par contre cette salle. Elle est, là il y a une chaise à l'envers. Ok, c'est vraiment très effrayant par contre. Bon, bah en tout cas j'ai l'impression que cette salle, il y a un peu juste des chaises sans gravité. Et attendez, les gars, c'est moi ou mon Brookhaven est beaucoup plus sombre qu'avant là? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai l'impression que depuis que j'ai été ici, mon Brookhaven est... Ok, ouais, il est vraiment beaucoup plus sombre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est tout noir comme ça autour de moi? Les gars, il y a du noir tout autour de moi, je vois plus rien du tout. Ok, donc attendez, on va essayer de revenir sous mes pas un peu. Enfin, sur mes pas, du coup, je suis allé à l'agence et j'ai éteint la lumière. Est-ce que si je rallume la lumière, ça règle le problème? Non, ça règle pas du tout. Donc, le problème, il vient d'autre part. Qu'est-ce qui se passe? Je vois plus du tout. Regardez juste en face, là. Tout est totalement tout noir autour de moi. Est-ce qu'il y a pas quelque chose que je peux trouver quelque part? Non, là, il y a rien. Je suis sûr que le hacker est dans mon monde Brookhaven, les gars. C'est pas possible qu'il soit pas là. Si le hacker n'est pas là, je sais pas comment c'est possible. Mais je suis sûr que le hacker est dans mon monde Brookhaven, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il me regarde. Les gars, il me fixe. Ok, attendez, il se rapproche. J'ai l'impression que dès que je tourne la tête, en fait, il se rapproche. Ok, donc faut pas que je tourne la tête là, je le fixe, il devrait pas bouger. Ok. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment hyper effrayant. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir en l'observant. Comme ça, j'ai l'impression qu'il bouge pas. Il s'est tourné. Ok, et là, je le vois plus du coup à cause de la lumière. Il me suit. À chaque fois que je le vois plus. Oh mon dieu, faut vite que je me taille là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu, le hacker, si, à ce qui paraît en plus, là comme tu l'as vu sur le TikTok juste tout à l'heure. Mais du coup si je clique sur le hacker ou quoi, je vais avoir un gros truc qui va apparaître à mon écran et tout. Et qui va me hacker mon compte Roblox, donc c'est mort. Je vais pas m'approcher de lui. Attendez, par contre du coup je l'ai totalement perdu. Où est-ce qu'il est passé? Faut que j'essaie de retrouver un peu vers où il était. Pour quand même pas le perdre totalement. Où est-ce qu'il est passé? Ok, donc il était juste ici au niveau de l'agence. Est-ce qu'il est toujours à l'agence? Je suis sûr qu'il est toujours à l'agence. Il est là. Oh, hop, une... Ok. Oh là là, les gars, j'ai eu beaucoup trop peur, là. Qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il vient vers moi, mais il s'arrête. Je sais pas ce qu'il fait du tout. J'ai l'impression qu'il attend que je me retourne pour avancer.
Dès que je me tourne, il avance. Ok, c'est mort, je me retourne plus une seule seconde là. Dès que je me retourne, il avance. Ok, à 3, je prends mes jambes à mon cou et je cours jusqu'à ma voiture pour pas que le hacker puisse m'avoir là. Parce que si je clique dessus du coup... Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe les gars? J'ai l'impression que le hacker est en train de pirater mon Roblox. Mon Roblox, il est totalement en train de se faire hacker là. Qu'est-ce qui se passe? Et le hacker a sorti une hache. C'est mort, je dois vite me tailler. Je dois vite partir. Hop là, on part sans le hacker là. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de me poursuivre avec une hache les gars, mais il est complètement malade. Il essaie en plus de me hacker mon compte Roblox. Enfin, là il essaie de me pirater là, il y a 2 secondes. Je vais clairement aller me cacher là, je vais aller me cacher bien loin de lui, à un endroit où il pourra jamais me retrouver. Je vais aller juste ici, ça m'a l'air d'être à peu près en sécurité. Bon bah bref les gars, sur ce, n'hésite pas à liker et à t'abonner et à rejoindre mon groupe Roblox. J'ai tous ceux qui sont abonnés, qui rejoignent mon groupe Roblox et qui mettent leur pseudo en commentaire.